quand on dit chandelier, tu vois en symbole, en dessin. Les chandeliers, ça veut dire l'église. Waka ni mfundisha binara, mionesha ufunuo, asema, kama mnaona kinara, ushona asema ni kinara kia vile kiko pale. Kinara, maana yake kanisa, ni kanisa. C'est-à-dire, pendant le temps de l'église, Jésus a la forme du messager. Maana yake mwakati wa kanisa, Yesu eko nachukua nsula ya mujumbe. C'est facile, non? Alors, la voix que Jean entend, parce que Jean te représente. Sauti ile Yohana anasikia. Kwani Yohana anakuwakilisha wewe? Il représente le croyant. Anawakilisha mwamini. Alors la voix que les croyants ont écouté. Sauti ile waamini walisikia. Pendant le temps de l'église. Wakati ya kanisa. C'est la voix de Jésus. Ni sauti ya Yesu. Ça sortait de Branham. Lakini ilikuwa natokea ndani ya Branham. Quand on voulait regarder Jésus qui parle, bacha mutazama Yesu alikuwa anasema, on voyait le messager. Alikuwa anaona mujumbe. Est-ce que c'est clair? Tiko wazi. Maintenant, ici l'église est terminée. Sasa hapa kanisa namalizika. La voix n'a pas changé. Ile sauti haikubadilike. Il a entendu la même voix. Alisikia tena ile sauti moya moya. Le même son. Ile mulilio moya moya. Mais au ciel. Lakini alishikilia kumbingu. Et quand il lève les yeux. Na wakati ananyua mecho. La porte ouverte. Mulango iko wazi. Et frère Branham le docteur. Nduku Branham mwalimu. Il dit la porte ouverte signifie anasema, il a vu Jésus. Ile mlango wazi maana yake alimuona Yesu. Mais le même Jésus qui parlait dans les champs. Ule Yesu mwamwe kwa nasemea ndani ya kinara. La forme chauve. Nsula ya ribala. Mais quand les âges sont finis. Wakati bizazi binamalizika. Il regarde. Anatazama. C'est la même voix. Mpaka ile sauti moya moya. Mais ce n'est plus un homme chauve. Lakini haiko tena mtu wa ribala. C'est Jésus. Ni Yesu sasa. Il vient de la terre, il va au ciel. Il vient de la terre. Anatoka pa budongo. Il est au ciel. Anaenda mbinguni. Il quitte l'incarnation. Anatoka mumwili ya muntu. Il se révèle dans son corps. Anajifunua, anajionesha sasa ndani ya mwili yake. Est-ce que vous suivez? Tukunanifuata. Est-ce que vous comprenez? Uko naelewa. Apocalypse, c'est un livre. Ufunuo ni kitabu kya mafumbo. Pour comprendre les symboles. Njua we kuelewa ile mafumbo. Il faut être en contact avec l'homme qui avait les livres. Inapasha kuwa mapatano na ule mtu alikuwaka na kitabu. Voilà, il continue. Ndio, anaendelea. Et Jésus est la porte. Yesu ni mlango. C'est unique porte. Ile mlango moja tu. C'est seul chemin. Njo njia moja tu ile. Pas autrement. Hakuna njia ingine hapana. On entre que par lui. Beko na ingiriria kupitia paka kumlango yake. Quiconque y monte autrement, c'est un voleur. Wote anaingia munjia ingine ni mwizi. C'est un brigand. Ni mbandia. Et dans la parabole de cet homme qui était monté. Na mufumbo ya ule mutu alingiaka. Et qui était au souper de noces. Na alikuwa kukaramu ya ndoa. Sans l'habit. Bila vazi. Il a été reconnu coupable. Bali mufumbula wankosa. Il fut lié. Na bali mufungaka. Jeté dans les ténèbres du dehors. Bana mufunga kamba wana mutupa mungize ya inje. Il n'y a qu'un seul chemin. Kuko njia moja tu. Pour entrer au souper de noces. Kwa ajili kuingia kukaramu ya ndoa. Je pense que j'ai prêché là-dessus il y a pas longtemps. Nilihubiri pa hii mambo hapa ya kawia. Un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Mutu ula kuvalaka vazi ya karamu ya ndoa. Était jeté dehors. Bali mufukuzaka na mtupa inje. Une seule entrée. Mulango ni moja tu. Vous connaissez cette parabole là? Munajua ile fumbo ile. Un homme tumoja était posté à la porte. Bali mutiaka pa mulango. Le seul chemin pour entrer. Njia moya ya kuingiriria nile mulango ile. C'était par cet homme. Ilikuwa ni kupitia ule muntu ule. Et lui il avait les habits de noces. Na ule mutu alikuwa na mavazi ya karamu. Branham va dire que les habits de noces c'est le Saint-Esprit. Na Branham anasema ile vazi ya karamu njo Roho Mtakatifu. Vous comprenez? Unaelewa?
Dans l'âge où nous vivons, c'est un homme qui est à la porte, il distribue les habits des noces. Ni muntu moya ego pa mulango ego na gawanya ile mavazi ya karamu ya ndoa. C'est-à-dire, mana yake, le Saint-Esprit distribué par l'homme. Rom takatifu ni muntu njego na ikabula. Ça ne descend pas comme un vent. Ayanguke sampepo. Il faut un homme. Il n'a pas chamuntu. Pour donner à un autre. Njoo akabule muntu mwingine. Et Jésus. Na Yesu. A placé cet homme à la porte. Alimtiaka ule muntu pa mulango. Pour distribuer les habits. Njoo akugawanya mavazi ya karamu ya ndoa. Mais un homme des églises. Ata mtu moja wa makanisa. Il a dit. Akasema. Moi je ne veux pas d'intermédiaire. Mie shipende kupitia kwa muntu. Je veux Dieu face à face. Mie napenda Mungu uso kwa uso. Il entra par la fenêtre. Akaingiria kudirisha. Vous connaissez la fin de l'histoire. Si mnajua mwisho ile historia. Il était lié. Bali mfungaka kamba. Jeté. Na bana mtupa. Dans la tribulation. Mumateso kubwa. Pourquoi? Njoo ya nini? Il a rejeté l'homme à la porte. Alimkatalaka ule muntu wa mulango. L'homme qui distribue les habits, ce n'est pas ses habits. Mutu ule unagawanya mavazi, ile mavazi aina yake. Mais le maître de la fête. Walakini mwenye na karamu yake. Lui a responsabilisé. Alimupatia ile kazi. Il dit celui qui me veut doit passer par toi. Ule ananipenda anapaswa kupitia kwako. Celui qui te reçoit me reçoit. Ule anakupokea ananipokea na mie. Qui est cet homme? Ule mtu ni nani? Et quand nous allons en Égypte, wakati tunaenda mumistri, à la pyramide, kuile piramide, vous allez voir, mutaona, après les sept manches, kisha le bipandio saba, cet homme est là à la porte, ule mutu eko pale pa ile mulango, qui reçoit les gens, ule eko napokea bantu, pour les pénétrer dans la chambre du roi, kuingiza mchumba ya yule mfalme, cet homme, ule mtu, est debout sur une pierre. Eko bwima yulu ya ribwe. Et sur la pierre on a mentionné la date. Na paile ribwe baisha njika po tare. Le 6 avril 1909. 6 avril 1909. À 5h du matin. Mu 5h ya asubuhi. C'est ce messager. Ni ule mjumbe. Qui attend tout le monde. Njeko na ongojea bantu bote. Qui monte de cet âge l'église. Bale yoko na panda mbizazi saba ya kanisa. Que tu sois Paul. Upate kwa Paulo. Que tu sois Pierre. Upate kwa Petro. Que tu sois Abraham. Upate kwa Ibrahimu. Que tu sois Jacob. Upate kwa Yakobo. Lorsque vous finissez à monter, wakati munamaliza kupanda, vous devez passer par cet homme. Munapasha kupitia pa ule muntu. C'est cet homme qui ni ule muntu ule njo anakupokea. Vous pénétrez. Kwa ajili ya kukuingiza dans la chambre. Muchumba ya yule mfalme. Et dans la chambre. Na mule muchumba ya yule mfalme. Il y avait le mystère du tombeau. Mulikuwaka ile siri ya kaburi wazi. Là où on a mis le monastre. Fasi ile walitia sanamu. Construit avec les bennes. Iliyojengwa na mabeni. Et il était là. Na ilikuwa pale. Le tombeau était ouvert. Kaburi ilikuwa wazi. Et ce monastre de l'Orient. Na ule monastre wa kuasubuhi. N'est plus en Orient. Ashina tena kuasubuhi. Mais il est en Occident. Lakini hapa sasa hiko kumangaribi. Wakati William Branham anakupokea, anakupatia nkanjo ya karamu ya ndoa, yeye mwenyewe anakuingiza ndani. Ni ule mchumba ya yule mfalme. Na mule ndani ya chumba ya yule mfalme. Pale unaona sasa rikalashi. Ni monastre. Ya monastre ule. Na unamuona Mungu. Na pale Dieu c'est toi. Mungu ni wewe sasa. Le mystère du tombeau ouvert signifie. Ile siri ya kaburi wazi maana yake. L'amour est terminé. Dans les âges de l'église. Lufu luna malizikia mule mbizazi saba ya kanisa. Et que dans la chambre du roi. Na mchumba ya mfalme. C'est l'immortalité. Ni kutokufua. Il n'y a pas de mort. Amuna lufu. Qui peut dire amen? Sema amina. Dans le septième sceau. Mumuhuri wa saba. Parce que l'immortalité.
descend, wakati mwenye wasipo na lufu anachuka, il amène l'immortalité, analeta kutokufua, la mort est engloutie dans la victoire, lufu banalumeza ndani ya ushindi. Ni kwa maana mwaminifu wa muhuri ya saba hata kufuaka kamwe. Sema amina. Auta kufwa kamwe. Parce que la dernière trompette, njo parapanda ya mwisho, a déjà retenti. Irisha ria. Et si tu meurs, na kama unakufwa, quelle est la trompette qui va te ressusciter? Ni parapanda kanile takufufula. Il n'y a pas de mort. Hakuna lufu. En déposant juste le manteau, je tunashusha tu nkochi na tunatambuka. Et nous entrons debout. Na tunaingia bwima kabisa. Sema aleluya. Un jour, siku moya, nous laisserons ce manteau. Tutaacha nkochi. Nous sommes la génération qui part au ciel à pied. Qui kunaenda kumbingu lwa mikulu. Sema aleluya. Amina, amina. Amina, amina, amina. Amina. Elle est distributeur de robes. Ni ule wa kugawanya makanjo. C'est frère Branham. Ni nduku Branham. Il donne la robe à tous ceux qui viennent. Eko na kabulaka nkanjo kwa bote bale beko na kuya. Tous ont besoin de son ministère. Bote beko na lazima ya uduma yake. C'est sérieux. Ni ya heshima kabisa hii. Parce que le baptême du Saint-Esprit wani, que eux, ils ont reçu, ubatizo wa Roho Mtakatifu ile bo baripokeaka, c'était le gage. Ilikuwaka tu nikakifunga mulango. Mais la vraie chose, lakini kintu kia biakweri, mari ya biakweri, il fallait le septième sceau. Ilipashwa ile muhuri wa saba. Merci pour William Branham. Asante kwa ajili ya William Branham. Si n'était pas venu, kama shikuku yake, nous ne serions pas ici. Je ya tukupashe kuya hapa. Gloire à Dieu. Otokofu kwa Mungu. Mais je veux que tu remarques. Kwa lakini mina penda utambue. Jésus la porte. Yesu mulango. Mais quand on regarde cette porte sur la terre, wakati wanatazama ile mulango pa budongo, c'est un homme. Ni monto. C'est ça la prédication de frère Branham, étroite et la porte. Injo maubiri ya nduku Branham, mulango ni mwembamba. Les évangélistes, quand ils prêchent étroite et la porte, ils ne voient que les avortements. Ils ne voient que les péchés que les gens commettent. Non. Tout ça, frère Branham a parlé. Parce qu'il distribuait à tout le monde. Mais sa pensée, en prêchant étroite et la porte, il a dit ceci. C'était le fait que lui qui était homme se faisait pourtant Dieu. Ilikuwa ni vile yeye alikuwa mtu kwa lakini alikuwa akidifanya Mungu. Voilà la porte étroite. Ile njo mulango mwembamba. Il y a que les violents qui s'en emparent. Ni paka wale wa odari njo wanachukua mlango ile. Accepter Dieu dans la chair humaine. Kumukubali Mungu mumwili ya mtu. C'est la porte. Ile ni mulango mwembamba. La chose la plus kintu kia nguvu sana zaidi. Amener mortel. Kupeleka mtu. A croire. Amini. A un autre mtu mwingine. C'est ça la porte étroite. Jo mulango mwembamba ile. Croire à la parole fetche. Kuamini neno ilidifanya mtu. Ah, ne pensez pas que quand tu mourras il y aura deux portes. Ushiwajasima pale utakufa kutakuwa milango mbili. La petite et la grande. Kamulango kaloko na kimulango kinene. Sino qui va aller à la grande. Sivyo na tena kimulango kinene. Tout le monde sait qu'il faut aller à la petite. Shibote banajuasima tutena pao kamulango kaloko. La réalité c'est la foi dans Dieu, dans l'homme. Ni imani ya Mungu ndani ya mtu.
C'est ça la porte étroite. Il est chemin resserré. Njia ni akukonda kabisa. Wachache tu ndio atapata mlango ile. Celui qui a resserré la porte étroite, soyez béni. Ula lipata mlango mwembamba abarikiwe. Tu es un violent. Wewe kwa mtu mwenye hodari. Omao yale incredible. Wakati ile kubwa kutokuamini. Mais toi tu es entré par la porte. Wewe uliingia pa ile mlango mwembamba. C'est ça la vie éternelle. Il est joie uzima ya milele. Croire à la parole faite. Kuamini kuneno iliyofanikwa mwili. Ah. C'est ça la porte étroite. Il est joie mlango mwembamba. Croire à un homme. Kuamini monto. C'est difficile. Ni kianguvu. Mais les élus acceptent. Walakini bateule banakubali. Maintenant cette porte au ciel. Walakini ile mlango mbinguni. Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo ye peke. Jean l'a vu. Yohana alimuona. Et il a dit à Jean. Na alieleza Yohana. Monte ici. Panda huku. Au paragraphe 107, Frère Branham dit écoutez ceci. Kifungu yake ya 107 ndo mama anasema hivi sikieni hii. Si la vie dénonce c'est le baptême du Saint-Esprit. Kama ile kanjo ya karamu ya ndoa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Comment allons-nous être présentés autrement? Namna gani tutaonesha namna nyingine? Si le premier âge de l'église a dû entrer par la porte. Kama kizazi ya kwanza ya kanisa iliweza kuingililia lwa pa mlango. Christ Jésus. Kristo Yesu. Être baptisé au nom de Jésus-Christ. Kubatiziwa mujina ya Yesu Kristo. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Porter l'habit de noces. Kwa ajili ya kuvala ile nguo ya karamu ya ndoa. Comment entrerons-nous autrement? Namna gani sisi tutaingililia kupitia njia nyingine? Si vous entrez par les méthodistes, baptistes, pentecôtistes, unaingililia kupitia njia ya kispiringa, kipentecôtiste, kibatiste, ou autre dénomination, wala kizehebu ingine, vous serez lié, batakufunga nkamba, jeté dans les ténèbres, kisha batakutupa mungiza ya inje. Il vous faut venir par Christ Jésus. Inakutakiwa ukuye kupitia Kristo Yesu. Le chemin. Yenjo njia. La porte. Mlango. La vérité. Ukweli. La vie. Na uzima. Branham dit amen. Branham anasema amina. Venez par Christ. Kuya kupitia Kristo. Jésus. Yesu. Mais soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Walakini pokea ubatizo mujina Yesu Kristo. Mais venez par Christ. Walakini kuya kupitia Kristo. Jésus. Yesu. Ah. Mm. Vous devez venir par Christ. Unapasha kuya kupitia Kristo. Jésus. Yesu. C'est lui la porte. Yenjo mulango. Qui? Nani? Christ. Kristo. Jésus. Yesu. Pour arriver à Jésus, il y a d'abord Christ. Kwa ajili ya kufika kwa Yesu kwanza kuko Kristo. Est-ce que vous voyez ces choses? Tu rencontreras d'abord Christ. Kwanza utakutanishana na Kristo. Et ce Christ là peut être ton frère. Na ule Kristo anaweza kuwa ndugu yako. Et c'est par lui. Na ni kupitia yeye. Que tu arrives à Jésus. Utafika kwa Yesu. Il peut être ton prophète. Anaweza kuwa nabii wako. Christ. Kristo. Un homme ouin. Muntu mwenye kupakaliwa. Venez par lui. Kuya kupitia yeye. La porte c'est Christ. Mulango ni Kristo. Jésus. Yesu. Mais on ne prend pas le baptême au nom de cet homme là. Walakini abachukue ubatizo mjina ya ule mtu ule. No. Apana. Nous venons par Christ. Tunakuya kupitia Kristo. Jésus. Yesu. Et nous recevons le baptême au nom de Jésus. Tunapokea ubatizo mujina ya Yesu Kristo. Lorsque Noé était Christ. Wakati Noa alikuwaka Kristo. L'onction c'était Jésus. Upako ilikuwaka ni Yesu. Quand Moïse était Christ. Wakati Musa alikuwaka Kristo. L'onction c'était Jésus. Upako ilikuwaka Yesu. Quand Branham est Christ. Wakati Branham eko Kristo. L'onction c'est Jésus. Upako ni Yesu. Est-ce que vous comprenez? Eti muko naelewa. Est-ce que vous saisissez? Eti muko nashika.
La porte c'est Christ. Mulango ni Cristo. Jésus. Yesu. Amen. 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 Tu as peur? Una shikia boka. Avaler les choses. Mezeni bintu. La porte étroite. Mulango mwembamba. Christ. Cristo. Jésus. Yesu. Un homme. Montu. Dieu ne fait rien sans un homme. Mungu afanyake kintu bila akuwe na muntu. 108, il revient. Mia na nani anarudiria hapo? Très bien, la même voix. Mzuri kabisa. Paka ile sauti moya moya ile. Apocalypse 1:10. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 10. J'aimerais que vous fassiez attention. Mina penda mkebe ange. La voix qu'il entendit lui parler avait la clarté d'une trompette. Sauti ile alisikia yake unazungumza naye ilikuwa inashikirika kama baragumu. Vous connaissez le son de la trompette? Si mnajua muririo wa baragumu. Cela produit un son aigu. Ile inatoaka sauti ya chongo. Qu'est-ce signifie la trompette dans la Bible? Baragumu mu Biblia maana yake nini? La guerre. Vita. Quand la trompette sonne, wakati baragumu inalia, c'est la guerre. Ni vita. Et Fabanam explique. Nandubanam anafasilia. La septième trompette. Ile baragumu ya saba. Pour les Juifs. Kwa ajili ya Bayahudi. Et en même temps. Na wakati mwamoya. Le septième saut. Muhuri wa saba. Chez les nations. Kwa batu ya mataifa. Il dit la septième trompette. Asema baragumu ya saba. Provoque des conflits et des guerres politiques. Inaletesha makokotano na manvita ya kisiasa. Chez les nations. Kwa batu wa mataifa. Et le septième saut. Na muhuri wa saba. Provoque la guerre scripturale. Inaletesha mvita ya kimiandiko. Il est écrit. Imeandikiwa. Il est aussi écrit. Imeandikiwa pia. Nous sommes dans la guerre des écritures. Tuko mvita ya miandiko. Et pendant la guerre. Na mwakati wa mvita. Tu ne peux pas être mou. Hautakuwa wa baridi. Tu dois être un combattant. Unapasha kuwa kamanda. Un commando. Unapasha kuwa komando. Vouloir ou pas. Upende. Ushipende. La trompette elle-même c'est la guerre. Baragumu yo inyewe ni mvita. Oh non, moi je ne veux pas la guerre. Olwangu shipende mvita. Être seulement dans la chose, tu es dans la guerre. Kuwa tu mwile kitu, maana yake uko mu mvita. Vouloir ou pas. Upende, ushipende. Mais pasteur, c'est comme si tu es en guerre avec les gens. Uko na kombanisha bantu. Ah, ce que je prêche elle-même, c'est la guerre. Bile niko na hubiri bio binyewe ni mvita. Ce n'est pas moi. Aina mie. Je suis seulement conséquent. Mie niko tu wa kinyume kufuatana na ile. Tout en sachant que. Mwenye kujua ya kwamba. En abordant ces choses. Kwanza hivi bintu. C'est la guerre déclarée. Ni vita inaanza. Qui peut dire amen? Sema amina. Et pendant la guerre. Na mwakati wa mvita. Il faut avoir des chargeurs. Inapasha kuwa na sakoshi ya masashi. Partout des chargeurs. Bali pote masashi. Pour que tu ne sois pas. Ju ushipate. A la crise de munitions. Ushikose masashi. Écrivez. Andikeni. Notez. Andika. Il faut pas manquer de munitions. Aipashwe ukose masashi. C'est la guerre. Ni mvita. Une guerre scripturaire. Mvita ya kimiandiko. C'est le conflit entre Dieu et Satan. Ni makokotano kati ya Mungu na Shetani. Amen. Amina. La trompette annonce la guerre. Baragumu inatangaza mvita. Au temps de la guerre. Mwakati wa mvita. Mu Biblia. Ce son signifiait une guerre. Ile miuri ilikuwa inaonesha mvita. Soit une révélation. Wala ufunuo unashikia. Quelque chose qui doit arriver. Kitu moja kile kinapasha kufika. La guerre. Vita. Soit la révélation. Ao ufunuo. Donc quand tu as la révélation, accepte la guerre. Manake wakati kuna ufunuo, ichikia mvita. Hein? Hmm? Ces choses que j'aborde, c'est la guerre. Ibi bintu nuna leta ibi ni mvita. Ah.
vous allez entendre après ça, il a dit. Kisha apa mutashika sema arisema. Il a encore dit. Tena nasema tena. Moi je ne dis rien. Milongu chiseme kintu. Moi je répète frère Branham. Luangu niku na musoma ndugu Branham. Mais je suis aussi conséquent. Lakini niku na lingana na hii. Je suis conséquent. Mais je sais que ça va être dit. Na yo kwamba bata isema. Et ça ne me changera pas. Na aita ribadirisha. Parler aujourd'hui. Mutasema leo. Demain je reviens. Kesho ntarudia. Je cogne encore. Mina popola tena. Et c'est comme ça. Anjo vile. Guerre sur guerre. Vita par vita. Vita par vita. Jusqu'à ce que nous allons partir. Taka na pale tutaendaka. On ne laissera pas le diable tranquille. Atuta mwachaka shetani kimia. La révélation c'est la guerre. Au fond, nous on invite. Vous dites amen à ça? On a c'est ma mina kui. Ah, c'est frère Branham. Ah, ninduko Branham. Eh bien. Basi. Après que les âges de l'église furent terminés. Kisha bizazi ya kanisa kumalizika. Et que tout était prêt. Na biote bilikuwa tayari. Cela préparait l'accomplissement du chapitre 4 ici. Ile likuwa na tayarisha kutimizika kwa sura yake ya 4 hapa. Les âges de l'église étaient terminés. Bizazi ya kanisa bilimalizika. Il avait déjà quitté la terre. Alikuwa arisha toka pabudongo. Vous voyez? Munaona? Rappelez-vous. Mukumbukeni. La voix qui lui parlait derrière lui. Sauti ile ilisema naye nyuma yake. Dans les sept chandeliers d'or. Muvinara saba ya zahabu. Le travail était terminé. Kazi ilimalizika. Et maintenant. Na sasa. La même voix parlait dans le ciel. Ile sauti moja moja ilikuwa nasemea mumbinguni. Ilikuwaka nini? Il avait déjà racheté son peuple. Alikuya alisha komboa taifa yake. Son œuvre sur la terre était terminée. Kazi yake pabudongo ilimalizika. Et il était dans la gloire. Na alikuwa ndani ya utukufu. Appelant Jean disant. Mukumuita Yohana mukusema. Monte ici. Panda huku. Frère Branham dit amen. Baba sema amina. Cela me donne envie de crier. Ile nipatia hamu ya kulalamika. À la veille du nouvel an. Qui est à la veille de nouvel an? Oh là là! Oh my! Vous y êtes? Munaelewa? Vous voyez? Munaona? Prêt! Tayari! Monte ici! Panda ukum! Branham dit? Branham anasema? La guerre! Vita! Ça? C'est la guerre! Ni vita! Monte ici. Panda huku. Les âges de l'église sont terminés. Bizazi vya kanisa bilisha malizika. La rédemption est ukombozi ilisha malizika. Jésus a déjà quitté la terre. Yesu alisha toka pabudongo. Et arrivé dans la gloire. Na nafika mutukufu. Il appelle Jean. Joseph anamuita Yohano. Panda huku. Et Jean monte. Na Yohano anapanda. Branham dit. Branham anasema. C'est la guerre. Ninvita. Hey, il a dit. Alisema. Moi je n'ai rien dit. Mie longu shiseme kitu. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema. Apocalypse 4. Ufunuo ine. C'est-à-dire. Mana yake. Les anges de l'église sont. Bizazi vya kanisa bina. Malizika. La rédemption est. Ukombozi ina malizika. Jésus a quitté la terre. Yesu alisha toka pa budongo. Et il appelle aussi Jean. Na eko naita pia Yohano. Monte ici. Panda huku. Amen.
Si tu es sur la terre, c'est malheureux. Kama ukupa budongo, ukua ole. Parce que Jésus n'est plus sur la terre. Njou Yesu ashina tena pa budongo. Jean a déjà quitté la terre. Yohanu arisha toka pa budongo. Au ciel. Eko mbinguni. Les actes de l'église. Oh, Laodicée. Les actes de l'église. Vous faites encore des discussions sur l'acte de l'Odyssée. Muchingariki na bishana pa kizazi ya Laodicea. Mais les âges de l'église Shibizazi sont terminés. La rédemption même ukombozi est terminée. Irisha malizika. La position de l'épouse. Musimamo ya bibi arusi. C'est au ciel. Ni mbinguni. Moi, je ne vais rien prononcer. Jusqu'à ce que Branham va prononcer. Mais déjà commencer à comprendre. Pour voir le trône que Jean a vu. Il faut aller au ciel. Pour écouter les sceaux. Il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel. Comment vous écoutez les sons sur la terre? Sasa, we miuri, utaishikia je uko pa budongo. Vos pasteurs qui prêchent l'enlèvement des pentecôtistes, ils ont raté l'enlèvement. Bachungaji wenu wewe na uhubiri kunyakuliwa kwa kipentecôtiste. Balisha pusa kunyakuliwa. Ils ont déjà raté l'enlèvement. Barisha pusa kunyakuliwa. Jean monte ici. Yohano panda huku. Et ils ne sont pas montés. Nabo abakupanda. Ils ont raté l'enlèvement. Baripusa kunyakuliwa. Les gens qui me regardent avec un air affreux. Ça s'accoubante beaucoup na nyangaria na beau cabote beaucoup na tete meka si tu connais dani wapi. Branham lui-même a dit c'est la guerre. Branham yem yana sema ninvita. Voici le cadre de la grande bataille. Mwangalieni kiwanza ya vita kubwa. Les gens bantu qui ont rejeté les messages de Dieu. Bale barikatala ujumbe ya Mungu. Ont rejeté le Saint-Esprit. Écoutez. Les messagers de cette église. Bari mukatala Rome takatifu mujumbe wa ile makanisa saba. Hein? 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 Vous avez écouté ça? Mon achiki a il est. Voici le cadre de la guerre. Tazameni kiwanja kiamvita. Cadre de la grande bataille. Kiwanza kia il est invita kubwa. Invita kubwa. Ah, vous n'avez pas nini. Invita kubwa. Vraiment, c'est la grande bataille. Ah, voici le cadre de la grande. Tazameni kiwanza ya mvita kubwa. Les gens bantu qui ont rejeté les messages de Dieu. Bale barikatala ujumbe ya Mungu. Ont rejeté le Saint-Esprit, le messager de cette église. Bari mukatala Roho Mtakatifu ule mujumbe wa makanisa saba. Vous avalez ça? Mon amesa ile. Le Saint-Esprit est le prophète de l'heure. Rome takatifu yenjo nabi wa wakati. Ceux qui ont rejeté le message. Bale barikatala ujumbe. Ont rejeté qui? Barikatala nani? Le Saint-Esprit. Rome takatifu. Qui est le Saint-Esprit? Rome takatifu ni nani? Le messager de chaque ajoute. Ujumbe wa kila kizazi kya kanisa. Dis à ton ami. Umweleze rafiki yako. Rejeter le Saint-Esprit c'est rejeter Branham. Kukatala Roho Mtakatifu ni kumkatala Branham. Dis-lui d'avaler pour ne pas prendre la marque de la bête. Umweleze meza ili usichukuliwe chapa ya nyama. Dis-lui avaler rapidement. Umweleze meza kwepesi pour ne pas prendre la marque.
Chukue chapa ya nyama. Rejete le message. Kukatala ujumbe. Rejete le Saint-Esprit. Ni kukatala Roho Mtakatifu. Rejete le message. Ni kukatala ujumbe wa kizazi kyako kya kanisa. Sema haleluya. Branham dit c'est le cadre de la bataille. Branham sema njo kiwanja kya mvita. Alors, ça lui-même a déclaré la guerre. Yeye mwenyewe alishatangaza mvita. Moi je dirais quoi? Mie sasa nitasema nini? Si nitasema mvita. Allons-y. Atuende mvita. Nous sommes bien préparés. Tuko tayari njua ile mvita. Allons-y. Tuende mvita ile. La guerre est annoncée. Mvita walishaitangaza. Le cadre de la bataille. Kiwanza kya mvita. Les gens qui ont rejeté le message. Bantu bale barikatala ujumbe. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Bari mukatala Roho Mtakatifu. Le messager. Ule mjumbe. Des âges de l'église. Wabizazi ya kanisa. Croyez-vous la parole? Unaamini neno? Allô? Sasa? Ce qui arrivait rejeter le message de la grâce, il ne lui restait plus rien sinon le jugement. Babel katala ujumbe anema akumbakire kitu isipokuwa tu hukumu. Très bien. Nzuri kabisa. Il s'apprête à déverser les plaies sur la terre maintenant. Anajitayarisha njuu ya kumwanga mapiko pa budongo hapa sasa. Monte ici. Panda huku. Et je te montrerai. Na mimi nitakuonesha. Ce qui est sur le point d'arriver. Mambo ile iko karibu kufika. Les pécheurs impies rejettent Christ. Tenda zambi muovu anamkatala Kristo. Et je vais déverser ma colère sur eux. Na tamwanga kishilani yangu yulu yabo. Saisissez bien ça. Mweleweni mzuri. Les coupes et les fléaux qui s'abattent sur la terre. Vikombe na mapigo ile nanguka padunia. Ne trouvent pas l'épouse sur la terre. Abikutanishe bibiarusi pabudongo. Mais souvenez-vous, frère Branham nous a dit précédemment que Jean était toujours dans Patmos. Mais il est allé de Patmos au ciel. Ndu Branham atitokia kutuelezea pasema Yohano alikuwa paka papatemo. Kwa lakini alitoka papatemo anaenda mbinguni. Mais il était toujours là. Voilà qui n'est allé quoi pas capable. Un frère de non révélé. Nduku ule aya funuliwa. Peut dire à Jean que tu es hypocrite. Anaweza kueleza Yohana se Yohana. Uko munafiki. Tu y es là, je te vois. Uko papa bulongo niku na kuona na mecho. Tu me dis que tu es parti au ciel. Kumbingu, tu es aventurier. We, ukuna michezo kabisa we. Son corps mwili yake était toujours là à Patmos. Ilikuwa paka pale pa Patmos. Mais kwa lakini, son âme nafsi yake a quitté Patmos. Il toka Patemo pour le ciel. Kwa ajili ya kwenda mbinguni. Mais le corps était là bougeant. Na mwili ya Yohano ilikuwa tu pale. Bougeant. Iko na tenka. Le corps était là bougeant. Mwili ilikuwa pale mupatemo iko na tembea tembea. Iko na tembea. Mais il est déjà au ciel. Kwa lakini tayari acha nda mbinguni. Est-ce que vous me suivez? Eti mko na nifuata. Le problème, c'est parce que on vous a beaucoup trompé en vous prêchant l'enlèvement du corps. Mambo ni kwani barimidanganya sana mukumifundisha sema hii mwili tanyakuliwa itenda. Vous avez la foi d'un enlèvement pentecôtiste. Muko na imani ya kunyakuka kwa kimpenta. Ce corps ira où ça? Hii mwili itenda wapi? Ça. Hii. Paul a juré. Paul a rilapaka. 1 Corinthiens 15. Wa Korinto wa kwanza sura ya 15. Si je vous dis un mystère. Tazameni na mielezea siri. La chair et le sang ne mwili na damu. Le royaume. Abita riti kamwe ufalme.
Même quand nous chantons, je m'envolerai. Vous ne comprenez pas ça. Je m'envolerai. Comme un oiseau. Libéré de prison. Atatoka mubuloko yake anaenda mita pepuka minaenda. Je suis un oiseau, la théophanie. Mie niko ndeke mteofania. Et je quitterai cette prison. Tatoka mubuloko hii mina toka mo. Alléluia. Hey, amen. Amina. Ouais. Ndio. La guerre, hein? N'invita. Observez les cadres. Mwangari chicheni ki wancha. Oh. Yeah. Au fur et à mesure que nous avançons dans la nuit. Ile wakati yote tunaenda na kukaribia bushiku. Nous en recevons davantage et davantage chaque fois. Tukunapokea hayo ya mingi na ya mingi sana zaidi. Nous ne voulons pas tout obtenir ici. Atupende kupokea biote hapa. Il nous faut continuer à nous référer à cela. Inatakiwa tuendelee na kurejea kuile. D'un passage à un autre. Kutoka kukifungo moya kwenda kukifungo ingine. Cela va être terrible pour cela. Ile itakuwa matata kabisa kwa ajili ya bale. Lorsque la dernière trompette sonnera. Wakati baragumu ya mwisho itaria. Et que la dernière bataille sera livrée. Na vita ya mwisho bataikombana. Et le dernier sermon sera prêché. Mafundisho ya mwisho itahubiriwa. Le dernier cantique sera prêché. Mwimbo ya mwisho itaimbiwa. Et que nous nous tiendrons devant le trône du jugement. Na tutasimama mbele ya kiti ya enzi ya hukumu. Batakuliza, pourquoi n'aviez-vous pas accepté cela? Juu ya nini au kuichika kile mambo ile? Qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? Ulifanya nini na maisha uzima ile nilikupatia? On vous demandera de fournir une raison. Batakuliza, pourquoi tu n'as pas dit amen à El Raj? Ulete sababu, kwa nini ulikatala kuichika amina kumahubiri ya El Raj? Tu as refusé pourquoi? On va te demander. Batakuliza. Et ce sera trop tard. Na pale utakosha kuchelewa sana zaidi. 114. Monte ici. Panda huku. Je t'ai fait voir les âges de l'église sur la terre. Nili kuonesha bizazi ya kanisa pa budongo. Maintenant, apa sasa, monte ici. Panda huku. Je te ferai voir quelque chose qui a lieu ici. Takonesha kintu moya kile kinafanishika huku. Écoutez. Chikeni. Vous voyez? Munaona? Christ avait quitté la terre à ce moment-là. Christ, il était monté dans la gloire. Christo alitokaka pabudongo mwile wakati alipandaka mutukufu. L'âge de l'église était terminé. Kizazi ya kanisa ilimalizika. Cela montrait que ile kwa naonesha ya kwamba son esprit n'était plus ici. Roho yake haikuwa tena hapa. Il était monté dans la gloire. Ilipanda mutukufu. Il appelait Jean à monter. Na alikuwa namuita Yohana apande. Il lui fit voir quelque chose d'autre. Alimonesha kintu kingine. Qui allait arriver? Kile kilipasha kufika. Monte ici. Panda huku. Nous remarquons. Tunatambua. Le chapitre, le verset 2. Mustari yake ya pili. Si je me comporte drôlement. Eh, kama na diongoza ovyo. Je me sens vraiment bien. Mina disikia vizuri kabisa. Aussitôt. Mara moya. Je fus saisi par l'esprit. Nilishikwa na roho. Mes amis. Barafiki yangu. L'enlèvement des gens. Kunyakuliwa kwa Yohano. N'était pas allé manger le pain au ciel. Aikukua kwenda kula mkate kumbingu. Mais c'était pour écouter d'autres choses. Walakini ilikuwa njua kushikia bintu bingine.
Il dit, j'étais déjà dévoilé les âges de l'église sur la terre. Maintenant, les choses que je vais t'enseigner maintenant, ça demande que tu quittes la terre, que tu montes ici. Parce que sur la terre, tu ne saisiras pas. Donc, il est enlevé pour continuer à être enseigné. Manake alinyakuliwa ili aendeleshwe na kufundishiwa. Pour entendre des choses beaucoup plus profondes. Dia kushikia bintu bia uketo sana zaidi. Je prends ça d'abord pour aider les futuristes. Nachukua hii kwanza njoo kusaidia wale wako naona tu mubadae. Rentrons au futur. Tururie mubadae. Il y aura une rencontre dans les airs. Utakuya kumlaki ewani sinile. Le type de l'enlèvement, c'est Jean. Mufano ya kunyakuliwa ni Yohano. Retenez que lors de cette rencontre que vous attendez là, mushike ya kwamba mwakati wa kule kutanishana naye muewa ile munaongojea. C'est Christ qui quitte la terre le premier. Kristo njoko naanzia hapo kutoka pa budongo wa kwanja. Il ne viendra pas enlever, mais il quitte la terre et il appelle. Ashtakuya kunyakuliwa apana. Anatoka pa budongo kisha anaanza kuita. Est-ce que vous comprenez ce type là? Et muna elewa ile mfano ile. Alors les futuristes qui ne croient pas que Jésus est venu. Wale wana kabitu yote mbadai. Bale abamina sema Yesu alikuya. Ils doivent comprendre en ceci que pendant le temps de l'église, Jésus est sur la terre. Au temps de l'enlèvement, c'est lui qui quitte la terre. Et il appelle l'église de mon Dieu. Ça va? Ça va? S'il si y a un Jésus là-bas, c'est un démon. Kama kuko Yesu kule ni ndemona. Ce n'est pas notre Jésus. Aina Yesu wetu ule. Quand Jésus disait prier notre Père qui est aux cieux, wakati Yesu alikuwa anasema muombeni baba yetu aliye juu mbinguni, les cieux là c'était dans son cœur. Mbinguni ile ilikuwa ni mumoyo yake. Il y a pas un Dieu là-bas, oubliez ces choses. Hakuna Mungu kule, Musa bwele mabitu ya vile. Mungu ashina kule. C'est le pentecôtisme. Ni mafundisho ya kimpenta ile. Lors de l'enlèvement, Christ quitte la terre le premier. Wakati wa kunyakuliwa, Kristo ananzia hapo kutoka wa kwanja pa budongo. Bon, j'arrête d'abord là. Bas, Dieu vous bénisse. Mina shimamishia hapa kwanja. Mungu amibariki. On va se tenir debout.